astres. Vous souhaitez savoir ce que les astres vous réservent ce mercredi. Sombre encore pour le moment, mais il est étoilé. On peut voir même la lune pour l'instant, ce qui veut dire qu'il n'y a pas trop de nuages. Et les nuages ne reviendront pas tout de suite. On pourra profiter du soleil dans le courant de la matinée, de belles éclaircies bien présentes entre quelques champs nuageux qui rendront le ciel. Pour autant que les critères sportifs soient remplis, que ce soit un short plus couvrant ou moins couvrant, que ce soit un hijab de sport, peu importe. Et je pense que c'est cette question du choix et de la liberté des athlètes qui doit primer. Une interview de Simon Mirguet, une précision pour Nafissa Toutiame Norvitz. Il reste encore deux épreuves de l'heptathlon à jouer à la mi-journée avant le reste des... Coup de belle RTL, il est 6h30. Elle est de retour pour nous informer, c'est Caroline N. Bonjour Caroline. Le traitement de leur dossier de régularisation, ils pourraient être expulsés de l'église le 15 août. 60, que le Congo belge a pris son nom. 81, c'est l'anniversaire aussi de François Van. Avec le soleil et beaucoup de vitamine C avec Fabrice Collignon. Elle est formidable. Le Borne, évidemment. C'était la vitamine Camille Matoulin. Je vous souhaite une bonne journée Camille. Merci beaucoup.